We are now starting the roundtable, How to Use Trade Fairs to Promote Sustainable Sourcing, organized with Techspertise. So I'm very pleased to introduce our speakers, Vincent Grégoire, Brand Director and Interior Management and Contract of Apparel and Fabric and Fashion. No. I'm sorry, I jumped to Claudia France, who's our Brand Director Manager. Vincent Grégoire, so the Consumer Director and Trends and Insight Specialist of Nelly Rodi Agency. Yes. And Grégoire Villerval, Founder and Head of Creation of Scotoma Lab. Maybe you can introduce yourself. I don't know who wants to start. Claudia? Okay. Bonjour à tous. Hello, everybody. Yes, so maybe you saw me already in the press conference. My name is Claudia Franz. I'm working for Messe Frankfurt since 5 years as Director of Brand Management in our textile field. And I'm happy to be here today. Mm-hmm. Thank you for the invitation, Alice. Thank you. I don't know. Grégoire. Allez. Vincent. Il y a beaucoup de Grégoire. Yes. Ça va être confusant. Donc, je suis Vincent Grégoire. Je dirige le pôle des études et prospectives chez Nelly Rodi, tout ce qui concerne les comportements de consommateurs, les insights. Et je suis aussi le monsieur RSE au sein de l'agence, où on est très fiers d'avoir obtenu la labellisation B Corp il y a 15 jours. Donc, une société qui va montrer l'exemple et œuvrer pour cette prise de conscience fondamentale pour la suite des événements. Je suis à l'agence depuis 32 ans, donc je suis un des piliers, un dinosaure à l'agence. Et donc moi, Grégoire Villerval, moi je suis styliste modéliste de formation et maintenant j'ai une société qui s'appelle Scotoma Lab, qui participe à l'introduction des nouvelles technologies et notamment de la 3D au sein des marques de mode et donc à l'application de tout ce qui est 3D, que ce soit dans la partie création, mais aussi dans la partie création de contenu, mais aussi création de collections, etc. Thank you. So we are discussing in both French and English, but you can ask for a headset to get the direct translation. My first question is more directed to Claudia. What is the Ecology Finder and what is it used for? Yes, so the Ecology Finder is the curated online search, and it is actually for more responsible exhibitors at our trade fairs. And the aim is actually of the Ecology Finder to highlight the exhibitors who are producing in a more responsible way the collection, because we also learned that more and more buyers, around about 70 to 90% of the buyers, are asking for sustainable products, for sustainable fabrics, for recycling, for new techniques. So we give them a little bit a kind of direction. And to be listed in the finder for an exhibitor, he has to pass a check before, which is a kind of sustainability check. And this check asks also the exhibitors for different certificates. And it is in the field of everything around sustainability, supply chain standards, product and production, and innovation, and related production innovations which they can offer. And exhibitors who pass this kind of check, they are not only listed in the Ecology Finder, they are also highlighted in a kind of a special, with a kind of a special icon, which you saw maybe in the press conference, the icon Maybe we can get the visual for the roundtable with the icon. Ah yes, Alan, yes, the icon, because it's very important to see this new icon as well. It's here. Thank you.
Vincent, you would like to ask something to Claudia? Not yet. Okay. So my second question is, what are your main CSR objectives and actions? And this question is more directed to maybe Scott O'Malab and Nelly Rodi, because Claudia has already answered it for Mess Frankfurt. I can say it later, yes. Oui. Qui veut commencer? Non, je ne veux pas commencer. Ok. Alors, pour tout ce qui est écologie, etc., c'est vrai que c'est important le soutien des salons, parce que c'est exactement comme dans les nouvelles technologies, c'est assez proche. Les marques de mode ont souvent du mal à s'y retrouver parce que le marché n'est pas forcément clair non plus. Tous les acteurs ne font pas forcément le travail, donc c'est bien que le salon TechWorld se mettent aussi vraiment à sélectionner. En plus, c'est vrai que Claudia, j'avais cru comprendre aussi qu'en plus, il y avait un certificat pour faire partie d'eux, qui était en plus lié à une entreprise extérieure qui certifiait, c'est ça, l'acquisition. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Ça permet... Voilà, c'est ça. Donc, ça permet d'être totalement transparent et c'est quelque chose de très important, même par exemple pour le raccrocher aux technologies, parce que c'est vrai que c'est un peu plus mon lien. C'est comme on pourrait parler aussi des NFT, etc., qui permettent de certifier des façons de fonctionner ou des éléments ou des vêtements. Et donc là, c'est bien aussi d'avoir un certificat sur l'écologie. Pour les marques de mode, pour s'y retrouver, pour faire son sourcing et produire de façon plus sustainable. Je voulais rajouter que c'est important d'avoir des unités de mesure avec des preuves. Il y a tellement d'incantations et de choses assez flottantes. Et c'est aussi la mission d'un salon, c'est pas d'être qu'un loueur de mètres carrés, c'est aussi un promoteur d'une vision, d'un projet, avoir des convictions, avoir une direction, montrer dans quel, vers quel but il faut œuvrer, et que c'est vraiment un travail d'évangélisation, de mission, de montrer la voie, quoi, d'être force de proposition, mais d'avoir un baromètre, d'avoir une quantification, une qualification. Pas juste du déclaratif, il y a tellement de labels qui sont hyper flottants. Maintenant, il faut des preuves, et des preuves qui doivent être remises en question. C'est pas parce qu'on a acquis un label que c'est pour la vie. Nous, on le voit avec Bicorp, c'est pas parce qu'on a le label qu'on est sauvé. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc c'est important d'avoir cette mission d'entraînement de la part d'un salon, de fédérateur, de capitaine d'une équipe. Parce que si on fait les choses tout seul, on va se paumer, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour des consommateurs, des clients. Et il faut aussi les entraîner et faire attention à eux, quoi. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'ai travaillé avant que je suis arrivée chez Messe Francfort. J'ai travaillé 25 ans dans les achats. Et comme acheteur, tu veux toujours découvrir des nouvelles choses et les choses qui sont bien faites et que tout le monde dans le retail demande. Donc c'est vraiment important comme organisateur des salons de montrer les nouveautés, mais aussi les thèmes qui sont indispensables aujourd'hui et comment les gens travaillent avec ces thèmes. C'est donner visibilité, quoi. Ouais, et pas que les thèmes tendances. Non, quelle valeur il faut dérouler, vers lequel il faut se mettre en ordre de marche. Quelle est la bannière, quel est le drapeau qu'il faut suivre, quoi. Et d'avoir des engagements, d'avoir des mesures de cet engagement pour avoir cette posture d'entraîneur et de travail d'équipe, quoi, de dream team, parce que sinon on s'en sortira pas. Mais isolé, d'ailleurs, on est fragile. Le fait d'avoir obtenu, par exemple, ce label B Corp, vous avez eu des conséquences positives derrière Déjà, c'était un challenge en interne.
ça a été un travail où ça a été une mission vraiment de toute l'équipe, quoi. Il a fallu qu'on se remette en question, qu'on sache déjà qui on est, dans quelle direction on voulait aller. Ça a été une façon d'agréger l'équipe de façon formidable. Et maintenant, on a une responsabilité très, très forte, quoi, d'entraîner, parce qu'il faut entraîner les équipes en interne, les équipes en externe, les clients, les fournisseurs, les partenaires. C'est un énorme travail de montreur d'exemple et pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Tous les jours, on doit s'améliorer. On a une probation de 3 ans. On a 3 ans pour faire encore mieux, quoi, et montrer la voie. De toute façon, on n'aura pas le choix avec les législations, avec tout ce bazar dans le contexte. On n'a pas le choix. Il faut qu'on montre la voie, il faut qu'on montre l'exemple. Et c'est formidable qu'un salon puisse soit pionnier dans cette réflexion-là et établisse ce baromètre et s'y tienne, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que je voulais rajouter une chose aussi. C'est vrai que, en fait, on se rend pas compte, mais fonctionner entre guillemets de l'ancienne manière, c'est-à-dire vraiment sans se préoccuper d'aucune règle et notamment sur l'écologie, en fait, à court terme, on a l'impression de gagner de l'argent. Mais à long terme, en fait, on va en perdre. Et une marque, il ne faut surtout pas qu'elle prenne du retard sur ces enjeux-là. Comme tu le disais exactement, c'est important de prendre de l'avance parce que ça met du temps. Il faut, comme tu disais, former des équipes, etc. Et ça ne se fait pas en quelques jours. Donc plus la marque va prendre ça à bras-le-corps dès 2024 ou même avant si elle a commencé déjà, c'est un point positif parce que c'est ce qu'elle n'aura pas à faire dans les prochaines années où il y aura encore de nouveaux enjeux qui vont arriver. So you have already anticipated on my third question, so maybe we can jump to the fourth one, which is more about what are about the drivers, because you said that we will not have choice, and especially on the long run. So my question is, what are the main drivers and influencers of change for brands in this area, the area of CSR? Pourquoi faut-il changer? Qu'est-ce qui nous pousse? Quels sont les responsables qui nous poussent vers ces changements? Et comment on va pouvoir changer? Moi, il y a un mot, un concept que j'emploie depuis plus de 20 ans. C'est la notion de développement désirable. On parle beaucoup de développement durable, mais si on ne met pas de récompense, si on ne met pas de plaisir, si on ne met pas de sexiness, on ne s'en sortira pas. Donc le premier driver, c'est la désirabilité, la sexiness, le plaisir qu'on a à faire quelque chose. Si on est dans la punition, si on est dans le coercitif, si on est dans une forme de jugement très, très incriminant, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce que les consommateurs attendent. Et alors je me suis amusé à vous faire un petit graphique. Alors je vais prendre la zapette. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nous, c'est déjà important, mais c'est le consommateur final. Et chez Nelly Rodi, on a un petit baromètre pour qualifier les différentes typologies de consommateurs. Quand on parle de sustainability, de soutenabilité, moi, je préfère la traduction française qui est soutenabilité, parce qu'on soutient un projet, on le porte, on l'accompagne. J'en reviens à la vision et à la conviction. Il n'y a pas un consommateur, il n'y a pas un client final. Moi, j'en trouve en gros 4 avec des motivations différentes, des attentes différentes. Au regard de la RSE et de ces sujets, je me suis amusé à qualifier ces drivers de désirabilité chez différentes typologies de consommateurs. Quand on est chez un consommateur avec des valeurs traditionnelles, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes motivations, les mêmes attentes qu'un consommateur plus bling, plus expressionniste, plus en demande de transgression. Et c'est pareil chez un consommateur au regard de la RSE qui attend de l'émotion ou qui est drivé par son affect, qui consomme avec son cœur, avec ses tripes, de façon très irrationnelle versus un consommateur très raisonnable. Voilà. Donc je me suis amusé à les qualifier, on va les parcourir rapidement, mais
consommateurs traditionnels, il y a un gros sujet sur la localisation, la territorialisation. En ce moment, on vous parle de souveraineté, mais c'est un sujet qui l'anime, de restaurer des valeurs. Ça, c'est la restauration des savoir-faire, des professions, des dimensions éducatives, elle est importante. Et le troisième, qui drive aussi les attentes de ce consommateur traditionnel, c'est la réduction. C'est le moins et mieux. Voilà, est-ce que ça se répare? Est-ce que ça combat l'obsolescence programmée? Est-ce que ça gère les stocks? Voilà. Ça, c'est pour le consommateur. Le consommateur émotion, lui, il est plutôt, comme je disais, avec le cœur. Donc, ces notions de respect, respect de la mémoire, respect des identités, des cultures, respect ou réconcilier l'homme avec lui-même, avec la nature, avec les saisons, avec les autres habitants de cette planète, ça, c'est un driver. Si je caricature, le consommateur émotion, sa RSE, ce serait le bien-être animal, quoi. Mais à la limite, le consommateur traditionnel, ça, il s'en fiche, lui. Et puis la régénération des écosystèmes, de Gray, c'est vraiment tout le même. La ville, on oublie trop souvent la ville. On pense à la mer, on pense au vert, mais on oublie la ville. La régénération des espaces urbains, ça, c'est des drivers de désirabilité. Quand on est dans l'expression, le partage, le don, le troc, le tout gratuit, toutes ces approches plus caritatives, réécrire toutes ces notions d'inclusivité, d'engagement, de challenge, et puis toute cette façon de remasteriser cette pop culture, cette approche du gaming, ça, c'est ce qui va rendre les choses désirables. Et je vais finir pour ne pas prendre trop de temps sur les drivers d'un consommateur très pragmatique. Lui, c'est plutôt toutes ces valeurs de ce que j'appelle, moi, la RDSE, c'est-à-dire eux, ils regardent vers demain, ils ne regardent pas vers hier, et ils se projettent. Donc, ils ont besoin de réinventer avec l'innovation, les nouvelles technologies. Ils ont besoin de réévaluer, de remettre des baromètres. Et ils ont besoin de reconstruire. Donc, ils sont clairement en train de se tourner vers demain. Donc, c'était mon petit mapping avec mes re pour qualifier. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on ne fera pas le bonheur des gens malgré eux. Il faut aussi tenir compte des gens qui n'ont rien à fiche ou qui se posent en posture réactionnaire dans tous ces sujets de sustainability ou de soutenabilité. À voir ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs qui sont dans la rue. Donc, ne pas oublier ceux qui sont contre, ceux qui sont en posture de refus, parce que c'est aussi une posture consommateur qui est très importante et qui gagne du terrain. Donc, tous les sceptiques, les réactionnaires, les anti sont aussi des typologies d'individus dont il faut tenir compte et entraîner dans le bon sens et fédérer dans le projet. Ouais. Grégoire, ça te parle, ces typologies? Est-ce que tu les retrouves avec Scotomalab dans ce qu'on... Après, j'imagine qu'au niveau de l'agence, vous avez plutôt affaire à des gens qui sont dans une certaine vision plus prospectiviste, plus en avance quelque part ou... Ouais, non, mais pour le coup, c'est ultra intéressant. Et après, c'est vrai que à Scotomalab, j'ai moins le regard, on va dire, marketing sur la création, parce que nous, vraiment, on fonctionne ou avec des grosses, très grosses marques, et là, ils ont déjà, en fait, eux, fait tout ce travail en amont, ou on travaille avec des plus petites boîtes, où là, on va vraiment focus sur le produit et. Et donc nous, comme on est en B2B, on va aider la marque dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on ne fait pas une projection aussi pointue. Et ouais, c'est vraiment très intéressant de voir ça et de sectoriser un petit peu le client. Et c'est vrai que sur la fin, ce que tu disais, c'est très intéressant aussi. C'est de dire, voilà, tout le monde ne va pas forcément dans le même sens, mais pour une marque, il faut quand même qu'elle ait sa direction. Et ce n'est pas parce que
le marché est segmenté, que il faut pas, il faut quand même qu'elle garde son axe et qu'elle s'y tienne, c'est important, et c'est comme ça qu'elle sera reconnue par les clients. Si elle essaye de toucher un peu tout le monde, elle arrivera à rien faire. Donc c'est vraiment ça où faut se tenir à une ligne directrice. Et moi je rajouterais qu'il faut déjà savoir qui on est quand on est une marque. Avant de savoir où on va, il faut déjà savoir qui on est, ses forces, ses faiblesses. Et après, c'est faire des choix. On ne peut pas être partout. Il y a différentes typologies de consommateurs avec des attentes différentes. On ne peut pas être sur tous les terrains. Donc il faut choisir ses combats, il faut choisir des partis pris. Et s'ils sont déjà pris, c'est plutôt des partis à prendre, quoi. Donc moi, je suis plutôt partisan du choix. Mais comme on disait Grégoire à juste titre, il faut s'y tenir et foncer et pas avoir peur de faire des erreurs, quoi. On apprend de ses erreurs. Merci. So in your opinion, between hyper fast fashion and second hand, what evolution should we expect in terms of consumption habit? Selon vous, entre l'hyper fast fashion et la seconde main, quelle évolution doit-on attendre en termes d'habitude de consommation? Parce que c'est vrai que c'est deux choses dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais, alors c'est des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont fondamentales. On a des comportements un peu biphasés, c'est-à-dire d'un côté, il faut faire attention, il y a dans les grandes méga-trends en ce moment, il y a le retour de la lutte des classes. Chez Nelly Roddy, on observe le retour de la lutte des classes et de ne pas opposer les différentes classes sociales. On a l'impression souvent que la seconde main, le vintage, c'est un truc de riche. Alors que les classes populaires ou le bas des classes moyennes qui ne veulent pas déclasser ou qui se sentent un peu stigmatisées sont plutôt à promouvoir ou à valoriser le neuf, l'hyperconsommation. Et donc ça, il faut aussi sociologiquement en tenir compte et faire attention à ces discours, ces approches un peu discriminantes. Parce que des gens qui ont des très faibles moyens, des tout petits revenus, eux, ils veulent du neuf, ils ne veulent pas déclasser socialement, ils veulent faire bonne figure. Donc, ils achèteront 10 chemises pour 5 euros chez Primark. Et à la limite, ils s'en foutent des conséquences. Ils veulent juste exister et ils veulent juste être reconnus et moins invisibilisés. Donc, il y a aussi derrière tout ça, ce n'est pas qu'une histoire de label, c'est une histoire de psychologie, d'intention. Et il y a tout un travail sur le discours. Mais on pensait que la fast fashion, elle était arrivée au bout, que la fast food, que la fast déco, que la fast consommation. Il y a encore pire. Otakos dans la food, Action, Shein, voilà, il y en a encore sous le pied. Hein. Donc ça oblige à se remettre en question. Mais ils utilisent des nouvelles technologies pour avancer. Donc plutôt que de les opposer, il faut arriver à les apprivoiser pour comprendre comment les améliorer et les faire performer d'une autre façon. Et je voulais même rajouter aussi une chose sur ce qu'on disait juste avant et ce qui fait sens maintenant. C'est aussi même un consommateur, on le voit surtout chez les jeunes, qui ont vraiment ces deux phases en eux où ils vont aller sur Vinted acheter... de la seconde main et en même temps ils vont aller chez Shein, ils vont aller chez H&M et donc c'est pas forcément deux clients différents, ça peut être le même client surtout chez les nouvelles générations, donc c'est en ça où en fait vraiment il faut aller chercher le consommateur parce que surtout les nouvelles générations en fait n'arrivent pas encore à se positionner et parce que ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat aussi quand on est jeune, etc. Donc ouais, il y a vraiment un travail là-dessus à faire. Alors c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat, mais quand ils ont envie de se donner les moyens de quelque chose, ils sont prêts à tout, y compris à trafiquer, y compris à aborder des interlocuteurs par la séduction, enfin quand ils veulent vraiment quelque chose. Et il y a un phénomène, ils mettent au même niveau un produit de luxe avec un produit de la fast fashion, de l'ancien avec du neuf,
du kitsch avec du chic. Voilà, ça. Mais il y a un phénomène qui est très nouveau chez la jeune génération qu'on observe là depuis 5-6 ans, un petit peu avant le Covid, mais ça s'est accentué avec le Covid, avec la pandémie. C'est ce que j'appelle des comportements de consommateurs sans, c'est-à-dire de consommateurs commerçants. C'est-à-dire que la jeune génération, la Gen Z, et maintenant les Alpha, la génération Alpha, quand ils achètent quelque chose, ils commencent déjà à penser à la façon dont ils vont le revendre. Donc, ils vont le réintégrer dans le circuit et le revendre ou le remasteriser ou le redonner ou l'échanger ou le réparer. Ça, c'est hyper nouveau, quoi. Donc, ça peut être de la spéculation. Nous, on fait des tables rondes de consommateurs très régulièrement. On se rend compte que les Gen Z, en ce moment, ils sont sur Vinted, pas forcément pour acheter pas cher, mais pour acheter aussi des pépites, des pièces qui vont prendre de la valeur et thésauriser et spéculer sur ce genre d'approche. Donc, il y a des nouveaux comportements dans cette société de consommation, d'alter-consommation. Donc, il y a l'hyper-consommation, il y a la déconsommation, mais il y a l'alter-consommation. Donc, il y a des nouvelles postures. C'est pour ça qu'il faut des repères. C'est pour ça que les labels sont quand même très importants pour afficher des valeurs et des convictions. Parce que voilà, il y a des nouveaux modes de consommation et que les paradoxes sont toujours là, sont toujours présents. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus aussi. I switch in English. I have my cards here because I have to. I'm German and I speak in English and French, so sometimes I'm getting a little bit confused. I just want to mention one thing. I think it's very, very interesting what you say here. And in addition, I mean, we are a fair organizer of 50 fairs around the world. And when we see the population of the world, the growing population of the world, especially in countries like Africa, South America, India, and also Asia, I think there is a completely different thought process going on in the moment. So you're talking very much about what the population in Europe thinks and the young people. And we are also remarking that when you have a population in an average of 35 euro, for example, in Ethiopia or in Kenya, and a growing population there, they have a different thought process when they go and buy and purchase products. And we don't have to forget that this kind of population is a population, a growing population. Mm. And they are looking not only for buying and reselling and sustainability, they just like to be dressed in a nice way. They like to search for something which brings them fun and joy. And so they have a different thought process behind it. Ouais. I just want to mention this, ouais, and say this in addition as well. En fait, je parlais de méga-trends tout à l'heure avec la lutte des classes. Il y a une autre méga-trend importante dont il faut tenir compte, c'est le déséquilibre démographique. Si je caricature, le nord de la planète, il y a beaucoup de vieux, pas toujours en bon état, mais et plus beaucoup de jeunes et moins de jeunes, qui n'ont pas le même logiciel culturel, économique, identitaire. Et le sud, si je caricature, il y a de beaucoup de jeunes et pas beaucoup de vieux. Donc, ce n'est pas le même logiciel, c'est de l'eau et de l'huile, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il y en a qui sont en opposition, il y en a qui sont en recherche de réconciliation, mais il y a des frictions qui sont bénéfiques. Bon, voilà, dans les autres quatre méga-trends, il y a le choc des intelligences avec toutes les nouvelles technologies, la façon dont ça va bouleverser le monde, et puis le dérèglement climatique, le désordre climatique, c'est la quatrième grande méga-trend qu'on a identifiée chez Nelly Rodi. Ok, so what advice would you give to fashion professionals who have doubts about the importance of investing to improve their social and environmental impact? After all, after what you said about the consumption habits, about the difference between the north and the south,
Why should we invest in this environmental impact to get to be more sustainable? I mean, as a brand, as an industrial. Well, I can start here. It is not about the companies who that they want to improve anything. They basically have to do it. It is very important that companies act more responsible, because they get forced also by the law to do it. And there will more and more regulations come on the table and get established. So the companies have to find new ways. Like we also heard before, when India and Ukraine were speaking, what they are doing. So the companies try really to develop themselves into a new area in terms of water saving, in terms of what kind of certificates are important, so that people recognize what they do in the sustainable field. Cotton, when we talk about cotton, where does cotton come from? How is the future of this whole agriculture is going to establish themselves? So the advice actually is, the products should be more durable. They should be, of course, recyclable, and they should be repairable, and they should also be very desirable. So what you say about, and you about the generation who thinks now here in Europe, how when I buy something, how what can I do with the product? So we have to really take into consideration the whole life circle of a product, starting from the plant or from the seed to the end product. And we have the EU Green Climate Directive. And I think it is very important for the customer, for the exhibitor, and for the buyer, and for everybody to get more transparency. The transparency is a key of everything, actually. Moi, j'ai l'impression que les marques, elles doivent être fières de le faire, qu'il y ait une dimension presque humaniste. Bien sûr qu'elles vont être obligées, bien sûr que ça leur permet de gagner de l'argent, mais la dimension sensible, la dimension humaine, elle est importante. Elles doivent promouvoir des valeurs, elles doivent œuvrer pour le bien commun. Sinon, on va tous disparaître et c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, on va remasteriser le logiciel, on va repartir à zéro. Donc il faut qu'il y ait cultivé une certaine fierté, une dimension, on parlait de considération, il faut qu'il y ait de la considération pour l'humain. Ce n'est pas des machines. Et dans ce sens, toutes les nouvelles technologies peuvent nous foutre la trouille, mais au contraire, elles vont renforcer la dimension humaine, la dimension sensible. Voilà, c'est une valeur fondamentale. Donc il ne faut pas juste le faire parce qu'il faut le faire. Mais il faut le faire sincèrement, il faut le faire avec le cœur, avec les tripes. Avec la passion. Ouais, ouais. Moi, j'avais inventé un mot, j'avais parlé d'empassion. C'est-à-dire mettre de la passion et de l'empathie. C'est-à-dire commencer à considérer, pas voir les clients comme des porte-monnaies avec des petites pattes, voir des êtres humains, quoi. Enfin, il y a un moment donné, si on produit pour produire, on va dans le mur. Alors, est-ce qu'on y va à 30 à l'heure? Est-ce qu'on y va à 100 à l'heure? Mais il faut faire attention à l'autre, quoi. Et l'autre, on fera attention à soi. Tout à fait. Tu veux dire quelque chose ? Après, moi, en vrai, j'ai pas mal de choses à dire sur ce qu'en fait on avait dit avant même. Où c'est, en fait, tout à l'heure, on parlait des consommateurs, etc. Et c'est vrai que même il y a pas mal de changements aussi au niveau de la consommation aussi virtuelle, parce que ça, on n'en a vraiment pas du tout parlé, mais c'est aussi quelque chose qui arrive très fortement, qui est déjà là, mais qui fait que progresser chaque année. Et notamment chez les jeunes, on a vraiment un changement total de la façon déjà de consommer. Et maintenant, les jeunes consomment aussi des vêtements assez chers, virtuels, qu'ils ne pourront jamais porter dans la vraie vie. Donc, il y a ça aussi. Il y a un nouveau marché que les marques n'ont pas forcément encore tout compris et tout envisagé.
Mais en plus de ça, c'est qu'on voit que, en fait, par exemple, ma génération, quand on commençait à jouer aux jeux vidéo, on avait envie d'avoir un personnage dans le jeu vidéo qui ressemble, qui nous ressemble. Et en fait, ce qu'on voit avec les nouvelles générations maintenant, c'est qu'en fait, ils font un personnage totalement différent d'eux, très créatif. Et en fait, quand ils vont faire leurs achats dans la vie réelle, ils essayent de ressembler à leur avatar, ce qui est l'opposé complètement. Donc ça aussi, ça ouvre plein d'idées, plein d'opportunités pour les marques. En plus d'avoir un business parallèle où on peut générer de l'argent sans vendre de vêtements physiques, qui est quelque chose de tout nouveau. Une marque maintenant, elle pourrait presque vivre sans vendre un vêtement, ce qui ne faisait pas sens il y a quelques années encore. Et c'est aussi une question aussi sur l'écologie. Est-ce que vraiment est-ce que c'est une vraie avancée de vendre des vêtements virtuels? Est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce qu'il faut vraiment tendre à ça? Il y a aussi beaucoup de questions là-dedans. Une question sur la pollution numérique. Aussi. Là, il faut fabriquer tous ces outils numériques qui aussi. Donc il y a plein de questions là-dessus aussi qui va falloir réfléchir. Rien n'est tout blanc ou tout noir, parfait ou nul ou parfait. On est beaucoup dans la nuance, il faut composer. Ouais. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est très intéressant. Et il y avait un mot qui était important, c'était la traçabilité. Les gens... pas que les consommateurs, mais les gens ont besoin de comprendre, d'apprendre, de savoir ce qu'il y a dedans, comment c'est fait, pourquoi c'est fait, avec quoi c'est fait, où c'est fait, de manière à se faire des films. Après, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Donc, ce culte du secret, il va avoir du plomb dans l'aile, quoi. Et il faut vraiment commencer à mettre carte sur table et raconter des histoires pour informer, pour divertir, à différents niveaux. Donc il faut que les marques, elles apprennent aussi à mettre leur trip sur la table pour montrer l'envers du décor, dans cette période où on se dirige vers de la fake news ou des infos biaisées ou manipulées. C'est important, et c'est d'autant plus important qu'un organisme certifie, qu'il y ait une espèce de jury, qu'il y ait... quelqu'un qui recherche la vérité, qui fasse des enquêtes, pas juste du déclaratif, parce qu'après on peut raconter tout et n'importe quoi, les images sont parfois trompeuses. Donc c'est intéressant qu'il y ait un organisme tiers, donc c'est pour ça que je trouve la démarche passionnante, parce qu'il va falloir des juges. Alors ils peuvent être aussi corrompus, hein, ces juges, mais bon, on va compter sur leur sincérité. Mais pour mettre la vérité dans la lumière, ou un maximum de vérité dans la lumière, pour qu'après... le consommateur puisse faire acte, puisse développer son esprit critique ou un semblant d'esprit critique, qui fasse le choix de ou ça j'en ai rien à fiche, ou au contraire j'adhère ou j'adore. Donc toute la notion d'envers du décor, de traçabilité, c'est très très important. Oui, parce qu'au-delà de la question environnementale, quand on produit pour produire et avec la seule quête de profit, en objectif, ce qui est le cas dans la plupart des entreprises, finalement, on met sous pression toute la chaîne de valeur, on met sous pression les fournisseurs, on met sous pression les gens. Enfin, ça nous amène à niveler vers le bas. Et ça nous amène, en fait, ça amène tout un secteur dans quelque chose de très, très, très difficile à soutenir d'un point de vue économique. Une fuite en avant qui est hyper mortifère, quoi. Si on continue comme ça, c'est un cercle vicieux, c'est totalement mortifère. Mais c'est pareil, je disais, la déconsommation, c'est tout aussi mortifère. C'est vrai qu'on a besoin de moins. La sobriété, oui. La frugalité, oui. Mais je le redis encore, c'est un truc de riche, quoi. C'est un truc c'est pour une clientèle éduquée. Les classes populaires, elles ont juste envie et besoin de ne pas être stigmatisées, de ne pas être ostracisées, de pas être invisibilisées. Et c'est pour ça qu'elles appellent au secours avec de la fast fashion en disant « moi aussi, j'ai droit à la mode, moi aussi, j'ai le droit au bling, j'ai le droit au logo. Pourquoi je serais obligé d'upcycler, je serais obligé de réparer, je serais obligé de porter du déconsidéré. »
Et c'est important de. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette dimension humaine, parce que la création de valeur, elle est beaucoup là-dessus, sur ces recréer de l'humain, du sensible, et pas que de la fonctionnalité technique. Il faut remettre de la désirabilité, il faut remettre du plaisir dans la conso et de la responsabilité. Ouais. I have, of course, we will take time for answer questions. You want to ask something? C'est très interactif, hein, c'est ça qui est bien. Non, mais en fait, la question de la traçabilité pour moi, et je pense que pour tout le monde, elle est essentielle. Et c'est vrai que tous les pays n'ont pas tous les mêmes normes sur les façons de produire et de faire les choses. Donc, on se retrouve souvent sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on achète vraiment. Et par exemple, l'interrogation sur la composition des teintures. Ou quand on achète une crème qu'on se met sur le visage, on a la totale, on sait ce qu'il y a dedans. Et quand on achète, on ne sait pas forcément. Oui. Pas. Non. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont stipulés et les composants à l'intérieur chimiques et tout. Sur le vêtement, c'est un peu plus différent. On est transgressif, on a la composition, mais on ne sait pas exactement les produits qui ont été mis dedans une fois le produit transformé. Et en fait, c'est comment accompagner tout le monde pour qu'au final, quand on achète un vêtement, qu'il soit de fast fashion ou de très haut luxe, qu'on puisse savoir la composition complète de ce vêtement pour aider ces entreprises justement qui veulent être sustainable et aller dans cette démarche de traçabilité. Mais ce qui est bien, c'est qu'un salon international fasse le taf. Bien. Si les États sont incapables de se mettre d'accord, pourquoi les agriculteurs français sont dans la rue? Parce qu'il n'y a pas d'homogénéisation des législations, des baromètres. Il faut donc une entité qui soit détachée des gouvernements. Si l'Europe ne fait pas son boulot, eh ben pourquoi pas une entreprise, pourquoi pas un salon, pourquoi pas une entité à part, commerçante. Ce n'est pas sale de faire du commerce. Mais faire du commerce avec des valeurs, c'est au contraire, c'est remettre de la notabilité, de la respectabilité. Donc, tant qu'on n'aura pas de législation globale, et je suis un optimiste inquiet, ça n'arrivera pas. Donc, voilà, c'est bien qu'il y ait des boîtes qui fassent le taf, quoi. Il faut compter sur des... Ouais. Yes. Bah, si elles ne veulent pas le faire, bah, on va le faire sans elles. Quoi. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Les gens qui devraient faire le boulot ne le font pas forcément. Oui. Ou... Si tout le monde attend tout le monde, rien ne se passe. Ah, ouais. Absolument. Et c'est le problème aussi. Hein. Donc, you are exactly answering my last question, which was, what do you think of the Techspertise Ecology Initiative? Donc, on comprend que c'est quelque chose que vous soutenez. C'est vrai qu'en tant que salon, on pourrait se dire... on peut se contenter et on doit se contenter de bien faire notre travail qui est de mettre en relation l'offre et la demande. Mais je crois savoir que depuis quelques années quand même, on a vu poindre des attentes qui se situent assez manifestement du côté de l'accompagnement vers une adaptation à toutes ces nouvelles normes dont vous parliez. Et une adaptation aussi aux nouveaux comportements d'achat, que ce soit bah, du coup des marques, mais en amont des consommateurs. Et donc, ça nous pousse à développer nos compétences en tant qu'intermédiaires, en tant que responsables d'agences créatives, bureaux de tendance aussi. Moi, j'ai l'impression que la mission d'un salon, c'est plus que mettre en relation des vendeurs avec des acheteurs. C'est aussi leur fournir des clés d'entrée sur la compréhension des marchés, l'état d'esprit des consommateurs, la façon de scénographier, la façon de raconter les histoires. C'est comme dans des boîtes de luxe, c'est pas que, il n'y a pas que le produit c'est la base, mais il y a toute la notion de service, tout ce qu'il y a autour, quoi, toutes ces valeurs ajoutées. On ne peut plus se contenter de louer des mètres carrés pour faire plaisir à des exposants. Il faut amener aussi du contenu. Sous toutes les formes.
Donc, c'est pour moi, un salon, c'est vraiment un éclaireur dans le brouillard. Il faut montrer c'est une boussole. Il faut montrer le cap. Après, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas, on comprend ou on comprend pas. Mais enfin, moi, je suis intimement persuadé qu'il y a une mission d'éclaireur de la part des salons professionnels. Il faut montrer les voies, il faut montrer toutes les voies, et après aux interlocuteurs de faire des choix, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai que même pour des jeunes créateurs, même pour des petites structures, c'est ultra intéressant de venir voir comment ça se passe, voir les usines, parler, dialoguer, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de marques qui connaissent vraiment leurs usines, qui vont sur place, etc. Le salon, c'est quand même le meilleur moyen de parler aux gens. Et comme on disait, l'humain, c'est quand même très, très important. Et même sur les questions d'écologie, etc., en parlant aux gens, on voit déjà le discours qu'ils ont. On voit une certaine politique appliquée. Et ça, par mail, etc., on n'aura pas la même interaction. Donc, c'est le seul moyen, le salon, de faire ça. Donc, c'est quand même très important. Ouais. On fait des rencontres humaines. On sort de sa bulle. Moi, j'ai toujours du mal avec cette jeune génération qui est devant des écrans, avec cette culture de l'algorithme et qui bouffe du prédigéré, du prémâché. Voilà, il faut se mettre en déséquilibre, il faut se mettre en danger, il faut venir se frotter. Il y a des gens, j'aime pas leurs produits, ou j'adore leurs produits. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des cons. Il faut sortir de derrière des écrans et se confronter à la réalité. Il y a bien sûr que tous ces algorithmes, tous ces nouveaux outils numériques sont passionnants, mais c'est qu'une partie du boulot. Voilà, assister à des talks, des conférences, aller voir des forums, ouais. Toucher, sentir, goûter, vibrer, c'est hyper important. Et même, je rajouterais, c'est surtout voir ce qu'on n'était pas venu voir. Ben, c'est ça. Parce qu'en fait, les algorithmes, c'est surtout ça qui nous pousse à ne plus faire. Ils vous donnent à voir ce que vous aimez, que ce que vous appréciez. Exactement. Et un salon, ça permet en fait de se balader et de dire « Ah bah tiens, ce stand-là, en fait, à la base, je ne l'avais même pas vu. Et en fait, il m'intéresse et en fait, il fait lien avec ma marque, il fait lien avec mon projet. » Et ça, c'est super important. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on se rend compte que finalement, tout le monde suit les mêmes choses. Et au final, c'est ultra restreint. Et on s'auto-restreint finalement en restant de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les résultats, on saoule les consommateurs parce que c'est toujours la même chose. On a l'impression d'avoir déjà vu. Donc, il faut créer de la disruption, il faut créer de la surprise, il faut créer du défaut. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les tendances, c'est des éléments dissonants, c'est des choses qui sont perturbantes, déstabilisantes. Si ça nous flatte, si on arrive à du conformisme, il n'y a rien de pire que ça, quoi. Ouais. Voilà, du safe space, quand on a des jeunes qui nous disent « Ah, on veut du safe space, au secours !» Bah, au final, tout est aseptisé, tout est pasteurisé, ça n'a plus de goût. Il faut des bons virus de temps en temps pour obliger les corps à produire des anticorps, quoi. Et justement, devenir dans un vrai salon, se confronter au réel, tout d'un coup, il y a des trucs qu'on n'attendait pas, il y a des trucs qui remontent à la surface, qui nous obligent à nous remettre en question, à nous poser des questions, quoi. Alors, avec Techspertise Ecology, alors c'est vraiment quelque chose, nous, chez Messe Francfort, on voulait donner la visibilité avec une signe, avec une mission et avec tous. Alors, tout le monde qui vient ici, il a, quand il voit le signe, cette signe oui. De Ecology, tout le monde est, je comprends. Maintenant, ce sont les stands où les gens vivent, c'est-à-dire la sustainability. Mais dans chaque pays où nous sommes, il y a différents exposants. Donc, tu peux découvrir comme acheteur, comme agence, comme designer, tu peux toujours découvrir les nouveautés dans la sustainability, mais tout est vraiment signé avec le même signe, ouais. Qui est très très efficace et très
facile à comprendre. C'est ça que nous voulons. Parce qu'avant, c'était vraiment un petit bazar. Alors, chacun fait son truc et personne n'a compris. Alors, c'est quoi cette signée-là? C'est quoi cette signée-là? Pour donner vraiment une visibilité dans le marketing, il faut le montrer tout le temps pour que les gens comprennent après. Ah oui, et peut-être Louis et Grégory, ils prennent ça aussi en compte pour... pour le trend, et quand vous êtes sur Nelly Rodi, vous dites ah, mais Claudia, dans le monde entier, on a découvert, 500 nouveaux sociétés qui vivent vraiment avec la sustainability. C'est intéressant quand même d'en parler. Donc, pour nous, les organisateurs du salon, on donne de l'espace pour tout le monde. C'est vraiment la possibilité pour tout le monde de s'exprimer et de découvrir des nouvelles choses. Quoi. Ouais, et c'est vrai qu'avec l'économie... partager des valeurs. Et de partager la même valeur. Voilà, tout à fait. Et s'améliorer au fur et à mesure. Oui, voilà, tout à fait. Mais derrière ce signe, il y a aussi ce gros chantier, et c'était un pari quand même aussi au départ, qui consiste à proposer un process pour intégrer le parcours qui soit finalement un formulaire, donc le Ecology Finder, avec en plus derrière, comme on l'a dit, des garanties, un tiers certificateur pour contrôler ça. Et donc le pari, c'était de savoir si les exposants allaient adhérer et s'intégrer dans cette démarche avec ces nouveaux obstacles à franchir finalement. Oui. Et en fait, la réponse a été, je crois, très positive dès la première session. Et tout y compris... dans un temps très, très court, je pense ici, sur place, il y a environ 100 exposants qui sont venus direct avec nous. Alors, nous allons le chemin, cette nouvelle expertise écologique. On veut le vivre avec vous. On veut montrer ce qu'on fait pour que l'acheteur a vraiment plus de visibilité. Et c'est très facile pour l'acheteur de comprendre après, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis aussi, l'acheteur, il fait après un produit. Et ce produit a aussi une histoire. Et cette histoire, c'est pour le consommateur après à bien comprendre, à easy de comprendre. Parce que quand l'acheteur fait un produit qui est long life product, par exemple, qui est nouveau avec un nouveau trend, c'est une belle histoire quoi, derrière. On raconte des histoires. And it's also the occasion to really show that it's not only to show that the suppliers, they want to do things properly, they want to evolve. It's not always the fault of the same kind of industrial. No. Yeah. No, they take the opportunity here to show what they are able to do with all the regulations, because we have to follow the regulations, and for the exhibitor, it's actually a must do. And you have to follow it, and I think it's a great journey. On doit créer un esprit d'équipe, quoi. Ouais, on est tous partenaires, enfin une nouvelle horizontalité. Mais d'ailleurs, pour parler du fait que les exposants aussi vont vers ça, c'est tout à fait compréhensible, parce qu'en fait, le labyrinthe, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour le consommateur. Même le fabricant, en fait, il peut être totalement perdu de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer, où est-ce que je pourrais m'améliorer, etc. Donc, c'est forcément une bonne chose, et c'est sûr et certain que il y a beaucoup de fabricants qui vont se dire ah bah tiens, là j'ai au moins quelque chose pour m'auto-évaluer aussi, un moyen d'aller chercher des solutions et des réponses aussi, et potentiellement à ces questions. Absolument. Ouais. Maybe we have questions. Would you like to say something to conclude or? Il y a une question. On a dit plein de questions. I think there is a question. Okay, so if there we have questions. Maybe do we have another micro for the audience? It's okay. Okay. Ah, sorry. Hear me? No. The microphone doesn't work.
Yes, now you can hear me? Yes, perfect. So I come from Asia. I think half of the population lives in Asia. Yes. So there are two parts of my thing. One is I wanted to share something, and second is I need to ask. So the sharing part is that Messe Frankfurt is doing a great job. I see they're doing about 50 fairs in a year. It's commendable. There's the biggest fair which is going to happen by the end of this month in India. It's called BharatTex. I feel and I believe that you all guys should be there. You should be representing and presenting your ideas in the knowledge sharing session. So that's the first part of it. The second part of it is, and I would like all of you, all the people who are in the audience, all the people who are the panelists, to share with me that how are you guys bringing it to the school level? How are we bringing sustainability to the kids? Because a kid who is now 5 years, 15 years later or 10 years later, he'll be a consumer. So when we are planning something for 2030 or 2040, how has the curriculum changed? Because if it doesn't happen, then a lot of it will be greenwashing. Yep. A lot of it will be post-operative. And we are not prepared for that. So these were the two things I wanted to share. Thank you. It's a very good question. Ouais, very good. It's a huge subject, education. Yep. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi les parents, il y a les amis, les réseaux sociaux, il y a tous ceux qui relaient et amplifient l'idée. Mais c'est vrai que, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est le boulot de l'école d'instruire sur ces sujets-là? Voilà, il y a une part de responsabilité, bien sûr. Mais il y en a une des parents, il y en a une des réseaux sociaux, il y en a une des créateurs ou créatrices de contenu. Enfin, il y a tout un réseau qui doit œuvrer pour l'éducation. Mais c'est sûr que l'école a un rôle à jouer en mode découverte, en mode apprentissage sympathique, surtout pas de punitif, surtout pas donneur de leçons. Il faut inscrire ça au programme, mais c'est pas que le boulot de l'école, quoi. I think it's a combination of the lifestyle, and lifestyle is, it starts actually when a child got born, the way it grows up. And absolutely, I think it starts in the kindergarten and with what we are eating, nourriture. So why do people go on the street? And now the farmers go on the street in Germany and also here in France, because they need more appreciation for what they do, because we sometimes we forget where does everything come from. And as you say, you're from India and you have a lot of seeds in terms of cotton. Yes, it's a population is growing, and education has to be done everywhere. It starts very, very early. And we have to reform the system worldwide, actually, in terms of education. I have two children, 17 and 22. So I know between the 17 and the 20 years old, it's a generation. Before, we were counting generations in, let's say, 10 years or 15 years. Now in 5 years, you have a new generation created, and everything gets faster and faster also with the digitalization. And on the same time, I think it's a combination of education at home, education in kindergarten, in school, and furthermore in university, and also on the street. And when we come here together, we have an interest to talk to a topic. So it's also about sharing and listening to each other, and not only consuming and looking to pictures. It's also reading and reading a book. And yes, I think the question is very well placed, but maybe we should invite for this kind of question even more politicians and more people who take the decisions around us, which we are voting also. So absolutely. Well placed and appreciated, and we hope with every little thing what we are doing here on our fair and also worldwide on our fairs, and you with your trends and you with your company, we are educating and we are sharing, and we
I think it's like a circuit, so we have to do it all together, international wise as well. Et moi, je rajouterais qu'on doit le faire sous forme de jeu. Il faut que ce soit fait de façon positive, comme en mode découverte. Il faut arrêter, sinon on a des gamins qui sont anxieux. C'est la fin du monde, c'est la fin de l'espèce humaine, c'est la fin des animaux, c'est la fin du mois, c'est la fin de tout. Enfin, il faut montrer que c'est le début d'une nouvelle ère. Il faut que ce soit, je le redis, mais des récompenses, des bénéfices, du plaisir, que ce soit ludique ou lugique avec les nouvelles technologies. Mais il faut que ce soit en mode positif. Les choses sont quand même complexes et dramatiques, mais il faut trouver des solutions positives et d'arrêter, parce que sinon on va avoir des gamins hyper déprimés, fatalistes. Ils disent, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Nous, on le voit quand on fait des tables rondes avec des Gen Z, ils nous disent, mais pourquoi je recyclerais? Ça sert à rien, les poubelles sont pas triées après. On n'a pas de récompense. Quand je ramène une canette, elle n'est pas consignée. Enfin, pourquoi je ferais ça, quoi? Donc, il faut leur donner envie, de leur montrer que c'est le début d'une nouvelle ère, qu'on est en période de mutation et qu'on n'est pas en période de finitude, quoi. Et d'ailleurs, moi aussi, je rajouterais une chose, c'est vraiment surtout pas s'arrêter au... À l'état actuel des choses et vraiment essayer de revenir au basique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une énergie, comment on consomme, pourquoi, qu'est-ce que veut dire la pollution, mais vraiment les basiques, parce que que ce soit nous ou les nouvelles générations, finalement la plupart des gens sont perdus, vraiment totalement perdus, et ne serait-ce que se dire je retourne au départ, où comment ça se produit, comment c'est extrait ou comment c'est cultivé, qu'est-ce que ça implique comme ressource. C'est vraiment ces sujets-là finalement qui sont ultra importants et qui permettre d'avoir les clés de comprendre les choses par la suite. Parce qu'on pourrait parler pendant des heures de le coton, le lin, etc. Mais revenons vraiment à qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est une graine, d'où ça vient, pourquoi de l'eau, pourquoi du soleil. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça qui permet après de former, on va dire, plus des adultes responsables et qui peuvent réfléchir par eux-mêmes et potentiellement trouver des nouvelles solutions, ou ne serait-ce que en tout cas avoir un acte éclairé, que ce soit dans l'achat ou même juste dans les discussions. Do we have another question? Yes. Hello. Talking about transparency and traceability, I would like to know if I am the only one here in this agora that is afraid of the tricks it's going to bring us, because made the loud, made the trick. And now we are going to see in all these brands, how is the fashion done, how many liters of water are used, how many energy, but who is going to control that? And I'm really afraid about what's going to happen in the future regarding that, because there are a lot of things that are not really clear from my point of view. I would like to have your opinion about that. Moi, j'ai l'impression que la traçabilité, c'est un guide, ce sont des repères. Après, on acte comme on a envie de connaître au mieux les tenants et les aboutissants d'un produit, et après de pouvoir acheter en toute connaissance de cause, mais d'avoir des indications, d'avoir quand même des repères. Alors c'est vrai qu'ils sont de plus en plus contraignants, c'est vrai que les marques doivent faire de plus en plus de paperasse, de plus en plus de contrôle. Mais c'est nécessaire. Il y a tellement d'abus, il y a tellement aussi de dérapages,
qu'il faut quand même des unités de mesure, des repères. On disait tout à l'heure que si les gouvernements, les institutions ne font pas leur boulot, pour différentes raisons, il faut quand même qu'il y ait des organismes de mesure pour évaluer, ne serait-ce qu'un minimum. Dans la mode, ça a tellement été le n'importe quoi qu'on est arrivé à des dérives humaines, technologiques, qui sont dramatiques, quoi. Donc il faut qu'il y ait un minimum, il faut un baromètre, il faut un minimum de mesures, sinon c'est très compliqué. Après, de laisser la part d'appréciation auprès du consommateur. S'il a envie de s'empoisonner, s'il a envie de se polluer, c'est son problème. Mais s'il a envie, au contraire, d'être intègre, de militer pour aller dans la bonne direction ou de boycotter, c'est aussi son choix. Mais il faut qu'il le fasse en toute connaissance de cause. Donc c'est sûr que pour les marques, les producteurs, mais aussi les distributeurs, c'est compliqué, mais c'est dans l'ordre des choses. On veut savoir ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on ingère, ce dont on se couvre, ce qu'on enfile aux pieds, ce qu'on respire, ce qu'on boit, on a besoin de le savoir. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. And I think there are also in the moment a lot of in the European Commission they try to set up different rules for the companies. So these kind of rules, they have to be followed. And of course, it is a long way for the companies to understand the rules and how they have, for example, when you come from India or you come from China or you come from Pakistan and you have to follow an EU textile strategy rule, you have to learn about it as well. So I think it's a process, actually. It will take time, and it's a process. But there are a lot of different strategies and rules which the European Commission does. And in US, there are also another law. You know, there's also another law which has to be followed. And yes, it's complicated. It's complicated for textiles, but it's also complicated for food or for beauty or for every kind of sector. We have so many different industry sectors in the world where we have to follow rules. And for the textile sector, actually, it's a kind of new way to follow these rules. And it will take time as well. In France, you have different companies gathering themselves to work all together on digital passports. And but of course, you know, if we have few companies working on such a digital passport and other companies abroad working on something else and something else and something else, it's a mess and it's impossible. And so this question of who is managing the whole thing, what are the rules, that data management, all those things are very important questions, and I think we are just at the beginning of the story. But at the same time, it's going very fast. Mm-hmm. If we look like 2 years ago, we were not even asking the question about the transparency. Après, si je vais rajouter une petite chose, mais je pense que c'est vrai que je suis plus calé sur les nouvelles technologies, et c'est vrai que moi ça me rappelle souvent les questions qui arrivent aussi en fin de conférence sur tout ce qui est intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies qui arrivent et qui peuvent faire peur. Moi je ferai un parallèle là-dessus où en fait il faut au contraire aller chercher, apprendre dessus, s'informer, plutôt que essayer de reculer ou de se dire que pour le moment je vais continuer comme ça. Au contraire, c'est très bien d'y aller, de regarder ce qui se fait, parce que de toute façon ce sera toujours un pas de prix pour la marque, ce sera toujours une nouvelle façon de se montrer, et de toute façon ce qu'il faut toujours se dire, c'est pas ce qui fera le client n'achètera pas le vêtement parce que c'est écrit sustainable dessus.
il va l'acheter parce qu'il le trouve beau. Et si c'est sustainable, il sera encore plus content, potentiellement, s'il va chercher ça. Mais faut vraiment pas le voir comme quelque chose qui ferait peur ou on va être perdu. Au contraire, il faut vraiment aller dedans, parce que de toute façon, c'est le futur. Donc au contraire, vraiment allons chercher des informations. Et de toute façon, oui, je pense que c'est d'ici quelques années, on y verra plus clair, forcément. Il y aura plus de directives de pays ou de l'Europe, où on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que tu disais très bien, il y a pas mal d'entreprises qui font des bilans RSE, des choses comme ça, qui peuvent être intéressantes à questionner sur leur façon de calculer, etc. Après ça, c'est sûr, c'est pas encore une réponse auquel on pourra donner des affirmations aujourd'hui. So we have 5 minutes for one last question. Anyone? Any question? C'est très clair. Est-ce que would you like to say something to conclude or? Moi, je reviens toujours à mon idée du développement désirable. Donc, on est là pour créer du désir, on est là pour créer du plaisir. On n'est pas là pour se punir, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, voilà, il faut appréhender la suite des événements en mode positif. Et sinon, c'est là où on ira dans le mur, quoi. Alors, comme Techspertise, nous, on est très contente d'être dans le monde entier et de voir les différentes perspectives de façon de la mode qui s'est créée à la fin et qui commence avec une plante. Et donc, pour nous, c'est vraiment super d'avoir autant de personnes ensemble sur les différentes places, et on est très contente aujourd'hui d'être ici avec vous en train de discuter sur le thème d'écologie et sur le thème comment il se produit les produits dans le futur, et que c'est très important de partager et d'avoir beaucoup de choix et beaucoup de nous sommes ensemble ici, et c'est très important aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Après, c'est tout ce qui a été dit est très bien. En vrai, j'ai pas forcément plus de choses à rajouter. C'est bien d'accentuer sur le fait de pas voir ça comme une punition, vraiment, à l'écologie. Au contraire, voyons-le comme quelque chose qui permettra de grandir et d'être plus épanoui aussi, même ne serait-ce que pour une marque. Je pense que c'est un moyen, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est une marque de vêtements, normalement, la satisfaction, c'est sortir un nouveau produit. Si en plus on sait que ce nouveau produit, il fait sens pour la marque, mais aussi pour une idée de sustainabilité, on peut être doublement satisfait. C'est ça qu'il faut aller. Je pense que c'est ça l'objectif d'une marque maintenant, c'est d'avoir cette double satisfaction. D'avoir une valeur et la promouvoir. Ce n'est pas juste du produit, c'est des valeurs. Maintenant, on produit de la valeur. Bien, merci beaucoup. Very inspiring. Thank you very much. And so it's now time for the trend conference, I think. Okay, thank you all. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody.